jour se lève au Cambodge. On est en train de se dispatcher les CP. Donc là c'est le CP1. Et moi je suis CQ1 aujourd'hui. Donc je fais la sécurité. Je vais m'installer dans un angle, dans un village où c'est vachement. Il y a beaucoup de circulation. Et ça sera ma mission, ça sera de protéger ce secteur. Voilà. J'ai ma radio, mon casque, mon scooter et je suis prêt. Le mec qui sait que c'est CP, tu dis c'est CP1. Une nouvelle journée pleine d'aventures qui se prépare. On y va. Yes, c'est bon. Ouais, je gère. On y va. Voilà. C'est CQ. Yes, hey, c'est CQ. CQ, CQ1. CQ1. Ça y est, je suis arrivé à mon poste. Tout le monde me regarde. Hello. Il y a la police. Donc là, en fait, c'est là. C'est là que c'est dangereux. En fait, là, c'est dangereux. Il y a la fille qui roule comme ça. Les filles, elles arrivent par là. Et moi, je vais devoir leur dire d'aller là-bas. Sans passer par là. Bon, là, il n'y a pas de voiture. Il n'y a que les villageois qui me regardent. Mais voilà, je vais me poster ici. Avec mes amis de la police. Juste là. Je suis déjà plein de poussière. Alpha de CP de CQ1. Ouais, CQ1, j'écoute. CQ1 en poste. Non, c'est pas 3, tu crois ça. Pas 3, Alpha. Voilà, j'ai rendu compte, je suis bien posté. Donc maintenant vous connaissez la musique, là il y a tous les CP qui sont en train de s'installer. Donc là je suis au début de course, là-bas il y a le CP2, là-bas il y a le CP3, non là-bas il y a le CP3, là-bas il y a le CP4, il me semble. Et donc du coup dès que tout le monde est installé, bah let's go quoi, let's go, et enfin les filles vont arriver et après papa 5, papa 5 d'Alpha, 5, 6 d'Alpha. Il y aura toutes les filles, bah après il y aura le départ quoi, puis après c'est parti. Et une fois que toutes les filles sont passées, Du coup, je vais remonter la course jusqu'à la fin. Donc voilà, comme c'est, voilà, ça se passe comme ça maintenant, hein, vous le savez. Et donc voilà. Et donc c'est cool, j'adore, hein. c'est super quoi, c'est vraiment stylé. Là je suis tout seul dans le village, à l'intersection là-bas. Il y a tous les villageois qui me regardent. Et c'est impressionnant, et, là c'est vraiment local. Ils vont voir une course passer, vous imaginez là, ils sont dans leur petit village et tout, c'est vraiment ouf. Ils nous regardent avec des gros yeux, puis les Cambodgiens sont tellement adorables que voilà quoi, c'est super quoi, super de vivre un truc comme ça, super. Là il y a le marché, et gros camion, en fait c'est ça là. Vous voyez à quel point ils vont super vite et ils s'arrêtent pas. Hein. Alors quand il y a les vélos qui arrivent, c'est super dangereux. Je suis au CP, au CQ1. Elles sortent d'ici ? CQ1. Okay. Pardon ? Elles arrivent là ? Elles arrivent là, elles partent là-bas et moi je protège cette zone. Okay ? Protège, c'est bien. Là. Je suis un protecteur. C'est bien. How are you? What is it? Ah, c'est quoi? C'est sucré. Is it a bug? C'est un insecte? Non, 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 pas du tout. Oh cool! Bon bah. Allez, dégagez-moi cette zone là, parce que. Le produit, c'est ça? Le poulet. Bon bah. Ciao! Voilà mes potes. Mes potes viennent de partir. Donc là, il y a vraiment tout le monde qui est en train de s'installer. Là-bas, il y a un ravitaillement. Il y a un ravitaillement et. Donc maintenant j'attends. C'est très animé. Voilà, voilà, voilà. Papa 3, papa 3 d'Alpha. Je vais repartir avec une petite cambodgienne. Donc c'est très animé, on est dimanche matin là. On entend tous les temples
Mais ça pas trop là ça. On entend tous les temples. Là on entend les moines. Si vous entendez là-bas il y a les moines. Recevez papa 3. Là-bas il y a de la musique et là il y a j'appelle, j'arrive pas à jouer, j'appelle par TPH. Là-bas il y a le soleil qui se lève. Donc on est debout depuis 2h30, faut savoir ça aussi. Enfin non, ouais, je vais baisser la radio. On s'est levé à 2h30. 2h30, on est enfin petit déjeuner à 3h et on est parti à 4h. On a déchargé les vélos à l'arrivée. Il y avait à peu près une heure de route jusqu'à l'endroit où il y a les vélos, jusqu'au départ. Et après, une fois que tous les vélos étaient installés, donc ça a dû prendre une demi-heure, c'est aller vite, hein, on a vraiment fait vite. Bah après on est parti jusqu'à là, comme vous avez pu le voir. Et puis voilà, maintenant je suis en place et j'attends le départ de la course. Donc moi, je vais écouter la radio et je vais entendre top départ, enfin départ de la course. Puis après ça va faire CP1, CP2, CP3, puis après ça va arriver jusqu'ici. Et puis voilà, on sera pas trop mal. Le dernier raid, j'étais posté au même endroit. Et voilà, les filles vont super vite en fait. Elles arrivent de là-bas et elles tracent. Donc il faut vraiment, je me mets devant pour vraiment les bloquer. Et voilà, je vais vous montrer tout ça, ça va être cool. Je suis un peu triste parce que le raid, demain c'est la dernière épreuve. Après il y a la soirée de clôture. Puis après le raid c'est terminé. Tout le monde s'en va. Et moi je reste au Cambodge. Mais ouais, c'était vraiment trop bien quoi. Bon, moi c'est pas terminé, hein. Il reste encore cette course et l'épreuve de demain, mais je commence à être nostalgique. Nostalgique. Dès que la course est finie, ça remonte. J'envoie les filles là. Attends, pour voir comment vous allez réagir. C'est moi qui ai mis le retour. Vous avez gagné les filles, c'est pas là. Donc là c'est Jean-Louis qui vient de passer. Voilà Jean-Louis, ah le soleil se lève, c'est beau, regardez-moi ça. C'est vraiment très beau. Donc là j'ai le caméraman qui m'a rejoint pour filmer l'arrêt, quand les filles vont arriver par là. Comme ça on sera deux et il y a la police en plus, donc ça va, je suis pas tout seul. La dernière fois j'étais tout seul, c'était galère. J'ai dû embaucher les villageois qui m'ont aidé à faire la circulation. Mais là ça va, je suis pas tout seul, c'est cool. Ça y est, les premières filles arrivent. Elles arrivent, elles sont là-bas. Elles se font gêner par un camion. Elles n'arrivent pas à dépasser le camion. Voilà, ça c'est les premières équipes, donc la course a commencé. Ralentissez, c'est par là. C'est par là. Ralentissez, c'est par là. On est à gauche, on est à droite. Ça y est, là, les filles commencent vraiment à arriver. Ça défile, là, il y a vraiment un gros groupe qui arrive. Donc je vais les faire ralentir parce qu'elles arrivent vite. En fait, c'est quand je leur dis que c'est dangereux qu'elles ralentissent. Sinon, elles ralentissent pas. Ralentissez, c'est sur la droite. C'est dangereux là. C'est dangereux. Ralentissez, c'est à droite. Ralentissez, c'est à droite. Allez, c'est bien.
c'est dangereux là. Serrez à droite. Merci. Allez, on ralentit. Super les filles, allez. Ralentissez, c'est dangereux, c'est dangereux. Sur la droite. Allez, serrez. Serrez bien la droite. Allez, c'est bien. Allez, c'est bien les filles. Serrez à droite, c'est dangereux. Attention, ça glisse. Allez, super. Ralentissez, ralentissez. En fait, ce qui est le plus dur à gérer, c'est qu'il y a les villageois, il y a les gens qui vivent, c'est leur vie. Et nous, on est là avec nos vélos et. C'est ça le plus difficile à gérer, mais bon, les gens sont quand même compréhensifs. Et ça, c'est plutôt cool. Allez, les filles, c'est bien! Ralentis, ralentis, c'est dangereux! En fait, c'est marrant parce que plus on leur dit de ralentir et plus elles accélèrent et elles me foncent dessus. Et ben forcément, il suffit que je te dise, moi je préfère qu'elles me rentrent dedans, qu'elles aillent en face et qu'elles s'emboutissent une voiture. Donc voilà quoi. C'est une question de sécurité, on est là pour leur sécurité, on peut pas prendre ça à la légère, voilà. Et je prends mon rôle très à cœur. En fait, le danger, c'est que les filles, elles roulent vite, et après, elles vont là, et elles, pour faire le virage, elles vont dans la voie d'en face. Donc les voitures qui arrivent par là, bah, elles peuvent emboutir, alors c'est super dangereux. Donc en fait, moi, pour savoir quand est-ce que la dernière équipe passe, c'est qu'elle est suivie, enfin derrière, il y a ce qu'on appelle la raclette. Donc la raclette, c'est deux membres du staff, qui racle, ça veut dire ce que ça veut dire, et donc qui remonte la course en vélo, voilà, pour suivre les dernières, ce qu'on appelle la raclette. Et dès qu'eux seront passés, je sais que la course est terminée, et à ce moment-là, je vais pouvoir remonter la course jusqu'à l'arrivée. Et donc du coup, je vais assurer la sécurité sur la course en roulant, donc ça c'est plutôt surveiller que les filles n'aillent pas sur la route, parce qu'il y a des endroits où il y a de la circulation. Après, quand c'est dans les chemins de terre, ça va. C'est surtout là, c'est cette partie-là, il y a pas mal de circulation. Ah, je vois la raclette qui arrive là. Donc après, voilà, je vais pouvoir y aller. Je vais pouvoir partir, remonter jusqu'à l'arrivée. Donc là, c'est Lolo et Willy. Lolo et Willy, à la raclette. Allez les beaux gosses. Donc c'est bon, je peux y aller. je les attendais que. Thank you so much, it's finished. Thank you. Merci à la police qui m'ont été d'une aide très utile. Je vous avais promis de l'aventure. Allez, c'est bien. Allez, c'est super. Ils sont trop adorables, ces Cambodgiens. Vraiment adorables. En même temps, on est dans la campagne. On est dans la campagne, il y a 173 vélos qui débarquent de nulle part. C'est énorme. Il y a un peu de sable, hein. Là pendant un peu pas 800 mètres, mais ça passe, il faut regarder la piste. Allez, tranquille, vas-y, tranquille. Regarde, t'es sur... Tiens, attends, je peux te changer ton... Non, mais là, je vais changer, là. Ah, tu changes, d'accord, mets-le sur moitié. Allez, c'est bien, les filles, super. Vous avez fait une belle course. C'est cool. Allez, là-haut, c'est l'arrivée. C'est votre moment. C'est le vôtre, ça. Il va falloir le savourer, celui-là. Vous l'avez mérité. Allez, c'est bien. Allez, après, tu te reposeras bien cet après-midi. Dernier petit effort. Allez, c'est bien. Allez. Les filles, thank you.
Donc voilà, là j'ai accompagné l'équipe parce que elle était vraiment mal en fait. Elle était dans le mal. Enfin, l'une des deux était dans le mal. Du coup, j'avais pour mission de l'accompagner, enfin de la suivre jusqu'à l'arrivée, en cas de, en cas de faiblesse, que je puisse faire quelque chose, l'aider. Donc voilà, là, elle est arrivée. Et donc du coup là, je vais voir la dernière équipe qui est juste derrière. Et je vais faire pareil. Je vais essayer de les motiver. Et puis après, bah fermer, démonter, rouler, hein, comme on dit. Et puis bah, après, on va tout ranger les vélos, tout ça. Bah, elle est là, l'équipe, la dernière. Ils sont à fond. Elles sont à fond là. Elles courent. C'est cool. C'est beau à voir. Allez les filles, c'est bien. Allez, vous êtes les meilleures. Allez, c'est bien. Allez, super. Allez, c'est bien les filles. Allez, on s'accroche. Il reste une montée et après c'est la fin. Allez, c'est bien. Gauche, 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 gauche. Prenez les escaliers. Prenez les escaliers, vous montez là-haut. Voilà. Allez, profitez bien, c'est votre moment là. Allez, courage. Donc voilà. Là, nous sommes acclamés par les filles et toute l'équipe d'Orga. On va passer la ligne d'arrivée, comme à chaque fois. Donc ça, c'est notre moment à nous. Et j'avoue que c'est sympa. Allez, on y va en courant. Bien joué. Alex, lâchez les coups, vous allez vous remettre aux enfants qui vous attendent. Bravo les gars. C'est fait les gars. Bravo. Bravo les gars. Bravo les mecs. Hey. Une de plus. Oh yes. Mais tu mets toujours dans ta boîte. À la tienne. À la tienne mon frère. Bien joué. C'est l'Iron Man. L'Iron Man est toujours là. L'homme de fer. C'est l'homme de fer. Donc voilà, l'arrivée. Et comme d'hab, c'est génial. Que t'arrives premier ou dernier, c'est toujours super. Bon, là, c'est très dur. Sur le blog, on a mis la photo avec Chouchou. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une superbe journée sur le raid Amazon. C'était génial. Voilà, j'ai pas d'autres mots à dire. De toute façon, vous l'avez vu. C'était l'avant-dernier jour. Demain, c'est le dernier jour sur le raid. Un peu triste. J'ai la petite boule au ventre, en fait. C'est fini. On va devoir se quitter avec les copains. Et c'est triste. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Chaque chose a une fin. Et puis voilà, donc c'est demain course, c'est un trail de 12 km. Voilà, ça sera la dernière vidéo sur le raid de cette année. Et c'était cool, c'était vraiment cool. Cette journée s'est super bien passée, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de blessé, donc voilà, c'est le principal. On a toujours un peu peur hein, quand on est dans l'organisation, on espère que tout se passe bien. On fait en sorte que ça se passe bien, et ça s'est bien passé. Donc mission accomplie. Demain, nouvelle vidéo. Donc ouais, voilà, c'est la course. Et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Ça sera le final. Et puis voilà, je serai triste. Je commence déjà à l'être. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Je vais profiter des derniers moments avec mes copains, là, avec mes potes. Parce que voilà, on est vraiment une bonne bande là. Et donc je vais profiter d'eux, passer la soirée ensemble. Et puis voilà, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Merci encore pour tous ceux qui regardent ces vlogs dans les coulisses du raid Amazon. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ces montages, à faire ces vidéos. J'espère que ça vous plaît. Mettez-le moi dans les commentaires si c'est le cas, si vous voulez voir une saison 3 peut-être. Je vous remercie de votre soutien et on se dit donc à demain. Rompez et reposez-vous bien. Ciao.